Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez augmenter ou réduire la taille de l'espace entre paragraphes sur Word. Pour ce faire, rendez-vous sur Word. Pour l'exemple, je vais générer un texte aléatoire. Si ça vous intéresse de savoir comment faire, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est en description, à cliquer sur la fiche juste au-dessus. Et donc, comme vous le voyez, juste ici, entre nos paragraphes, on a donc un espace. Si on souhaite donc modifier la taille de cet espace, alors il faut sélectionner déjà le paragraphe qui contient l'espace. Comme vous voyez, si je sélectionne le deuxième paragraphe, eh bien, il n'y a pas d'espace au-dessus du paragraphe. Par contre, si je sélectionne le premier paragraphe, eh bien on voit que là, effectivement, l'espace a bien été sélectionné. Ensuite, lorsqu'on a trouvé quel paragraphe contenait l'espace, on va dans l'onglet Accueil, puis Paragraphe, puis juste ici, sur l'icône Interligne espace de paragraphe, on clique et on va sur Options d'interligne. Ensuite, dans le panel Espacement, c'est ici que vous allez pouvoir modifier du coup la taille de cet espacement. Par exemple, si on modifie le 8 et qu'on vient mettre 20, eh bien, on voit que l'espace a été plus que doublé. Et d'ailleurs, en faisant ça, on peut également rajouter du coup un espace avant le texte. Si je viens mettre 20 également au-dessus, on voit que j'ai donc un espace de 20 pixels qui a été rajouté au-dessus de mon paragraphe. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.